Bonjour, bienvenue sur WebAgri, en direct du CIMA, CIMA édition 2019. Nous sommes sur le stand Sam de Tsvar et nous allons vous parler d'un tracteur, le tracteur série 5G. Pour cela, je suis avec Nicolas Bedrun. Nicolas, tu es chef produit tracteur chez Sam de Tsvar. Que peux-tu nous dire de cette série 5G ? Tout à fait, bonjour Sébastien. Donc la série 5G pour nous, en trois mots, c'est de la puissance, c'est du confort, c'est de la maniabilité et c'est aussi un tracteur qui a des normes anti-pollution intéressantes pour des exploitations en polyculture et élevage. Très bien Nicolas, alors côté puissance, un peu plus de détails. Nous sommes donc aujourd'hui à bord du 5110 GGS. Alors je reviendrai juste après sur la signification du GS, mais ce tracteur est équipé d'un moteur Farmotion, donc notre propre moteur, d'une puissance de 113 chevaux et équipé d'un système anti-pollution extrêmement simple puisque nous sommes aujourd'hui en tier 4 intérim. On a réussi à homologuer ce tracteur en tier 4 intérim qui, grâce à cela, est sans adblue. D'accord. Alors côté confort, nous sommes à bord de la cabine. Est-ce que tu peux nous décrire les points forts de cette machine ? Alors, je vous parlais juste à l'instant du mot GS. GS, chez Dutzfar, c'est tout ce qui désigne l'inverseur électrohydraulique. Mais il faut savoir que chez Dutzfar, c'est plus qu'un inverseur, puisque avec l'inverseur électrohydraulique, on retrouve le Send Clutch, pour régler sur 5 niveaux l'agressivité de votre inversion, le Comfort Clutch, pour passer les vitesses sans appuyer sur l'embrayage, mais aussi le Stop and Go, vraiment une fonction utile et agréable, notamment au chargeur et forcément en polyculture élevage, Sébastien. Alors, Nicolas, dernier point, tu parlais maniabilité. Effectivement, c'est un critère important quand on est dans un tracteur particulièrement typé élevage. Qu'est-ce qui fait que ce tracteur est maniable ? Ce tracteur est maniable grâce à son confort notamment, stop and go, j'en parlais, et la possibilité aussi d'avoir une option, le ready kit, le chargeur monté d'usine, avec le passage des rapports sous charge directement sur le joystick du chargeur. On peut aussi citer, en termes de confort, puisque forcément la maniabilité passe par le confort, une cabine suspendue sur hydrocylindre bloc, vous me prouvez Sam de Tsvar. Alors, série 5G, qu'est-ce qui la différencie finalement d'une série 5 ? Ce qui différencie une série 5 d'un 5G, c'est qu'on va pouvoir, sur le série 5 standard, notamment le 5115, être équipé d'un moteur DUTS, et on va avoir la possibilité d'avoir un tracteur équipé d'un port avant suspendu. Merci beaucoup Nicolas pour ces explications. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver très prochainement sur WebAgri pour d'autres reportages.